الحمد لله الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون والقائل وربك يخلق ما يشاء ويختار فكان لهم الخيار سبحان الله وتعالى عما يشركون يعلم السر والجهر ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور شمل برزقه جميع خلقه فلم ينسى ولم يترك النمل في الرمل ولا الفرق في الوقر أغنى وأفقر بحكمته وفضل بعض المخلوقات على بعض حتى أوقات الدهر وشهر رمضان خير وأفضل مما سواهما من الشهور نحمده حمدا لا منتهى لعدده ونشكره شكرا يستجل بالمزيد من مدده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه ورحمته وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون وعظموا شعائره ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب واعلموا أن شهر رمضان هو فرصة ذهبية لمن أدركه فاستغلوه بما يرضي ربكم Pureté en nous. Il transcende ce qui lui associe. Il connaît certes les secrets, même les plus cachés. Il connaît la trahison des yeux et ce qui cache le cœur. Je témoigne et Allah suffit pour témoin. Il n'y a pas de divinité digne d'adoration hormis Allah unique sans associer. Et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est serviteur envoyé d'Allah. Qu'Allah lui accorde ses prières, son salut, ses miséricordes et ses bénédictions, ainsi qu'à sa sainte famille, à ses fidèles compagnons et à tous ceux qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs islam, craignez votre Seigneur Allah, vénérez et respectez ses recommandations. Et quiconque exacte les injonctions sacrées d'Allah s'inspire en effet de la piété de cœur. Sachez que la venue du mois de Ramadan est une occasion d'or pour les croyants qui y parviennent. Profitez-en donc en accomplissant des œuvres qui vous font obtenir l'agrément de votre Seigneur, des œuvres qui vous rapprochent de lui et vous éloignent de son courroux ici-bas et dans l'au-delà. Chers frères et sœurs islam, parmi les sagesses et signes de la seigneurie d'Allah, de son unicité et de la perfection de ses attributs, il y a le fait de distinguer certaines de ses créatures par des mérites particuliers et le fait de préférer certains lieux et moments par rapport aux autres, par la multiplication de la récompense des bonnes œuvres accomplies dans ces lieux et moments. C'est ainsi que la privilégiée est préférée certains mois, certains jours, certaines nuits et certaines heures par rapport aux autres, afin que cela soit une occasion pour les musulmans pour augmenter ses bonnes œuvres, s'adonner aux différentes adorations et redoubler d'efforts et d'activités afin de faire provision pour son voyage vers la demeure dernière et y gagner la plus grande récompense qui soit. Chers frères et sœurs islam, ces différentes occasions sont donc instaurées, non seulement pour distinguer les actifs des paresseux, les décidés des indécis,
et les croyants, les mécréants, et surtout pour permettre aux musulmans de multiplier les bonnes actions, de rattraper ce qui leur a échappé, de se rapprocher de leur Seigneur et d'avoir ses bienfaits et faveurs. En effet, à chaque occasion, Allah a des faveurs particulières qu'il accorde aux militants dans sa voie. Le bienheureux est donc celui qui sait profiter de ces occasions offertes pendant certains temps, car il se fait qu'il gagne une faveur qui lui fera mériter l'agrément de son Seigneur et la béatitude éternelle dans l'au-delà. En fait, toute la vie humaine est une occasion au cours de laquelle les obéissants réaliseront des bénéfices et intérêts, tandis que perdront les désobéissants. Il incombe ainsi aux musulmans de connaître la valeur de sa vie et la réalité de ses bas mondes afin de faire constance dans l'adoration de son Seigneur jusqu'à la mort, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, wa'abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, et adore ton Seigneur jusqu'à ce qu'il devienne la certitude, c'est-à-dire la mort. Chers frères et sœurs islam, Allah le Très-Haut a distingué le mois de Ramadan par des bienfaits, par des grandes récompenses, par des grâces et avantages indénombrables, ainsi que des privilèges et particularités qui font de ce mois béni une occasion d'or pour les croyants. Oui, pour les croyants, le Ramadan est une occasion pour renouer le contact avec son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Ce contact dont le maintien lui était difficile durant les autres mois de l'année à cause des intrigues de Satan et des passions de l'âme. Pour les croyants, le Ramadan est une occasion pour se réconcilier avec son Seigneur le Très-Haut, auquel il a tant désobéi durant les autres mois. Pour les croyants, le Ramadan est une occasion pour recommencer une nouvelle page de sa vie spirituelle, une page blanche, purifiée et lavée de tout péché, grand ou petit, de toute faute volontaire ou involontaire, de tout tort commis à son âme ou aux autres, bref, une nouvelle page exempte de toute désobéissance. Pour les croyants, le Ramadan est une occasion pour renforcer sa victoire sur Satan, son ennemi juré, qu'il avait empêché durant les autres mois de se soumettre comme il le faut aux recommandations de sa religion. Pour les croyants, le Ramadan est une occasion pour retrouver sa dimension spirituelle, sa dimension verticale transcendantale qui le lie au royaume céleste et qui le distingue des autres créatures qui errent sur terre, en particulier les animaux. Pour les croyants, le Ramadan est une occasion pour mettre à l'épreuve, c'est-à-dire vérifier le boule et la température de sa foi, monte-t-elle ou descend-elle, comment l'entretenir et comment la fortifier. Pour les croyants, le Ramadan est une occasion pour mettre en évidence sa piété ou sa crainte d'Allah, en tentant de vivre dans l'ultime degré de la religion, celui de la perfection ou de la bienfaisance qui consiste à adorer Allah comme si on le voyait. Pour les croyants, le Ramadan est une occasion pour s'entraîner à acquérir des vertus exemplaires telles que la patience, la sincérité, la compassion envers les faibles. Pour les croyants, le Ramadan est une occasion pour se réconcilier avec sa propre âme, son âme incitatrice au mal, son âme bestiale, qu'il a toujours contredit face aux ordres de son Seigneur. Grâce à cette réconciliation avec son âme, l'intérieur et l'extérieur du croyant seront en accord, en harmonie, d'où il vivra dans la tranquillité morale et l'apaisement du cœur. Et tant qu'il n'y aura pas cette conformité entre l'intérieur et l'extérieur de l'homme, celui-ci ne peut plus vivre dans le chaos moral, dans le désordre, dans l'angoisse, l'inquiétude et l'agitation. Chers frères et sœurs islam, pour les croyants, le Ramadan est une occasion pour tuer et enfuir sous terre ses passions et désirs sataniques. Pour les croyants, le Ramadan est une occasion pour se réconcilier avec son entourage, en particulier avec les parents et les proches parents, avec lesquels ne s'entendait pas à cause du feu de la mésentente et de la discorde que Satan a réussi à allumer entre eux. Pour les croyants, le Ramadan est une occasion pour se réconcilier avec ses frères et sœurs en islam, avec lesquels ne s'entendait pas à cause des complots et machinations de Satan. Pour les croyants, le Ramadan est une occasion pour augmenter ses bonnes œuvres et diminuer les mauvaises. Le Ramadan est une occasion
et quelle grande occasion pour les couples musulmans subjugués par les tentations sataniques pour faire la paix à jamais en se pardonnant le passé et en décidant de recommencer une vie conjugale normale. Le Ramadan est une occasion pour la société musulmane pour retrouver sa cohésion, son unité, sa solidarité, son entraide et surtout son pardon mutuel. Bref, chers frères et sœurs en islam, le Ramadan est une occasion pour tous. Il permet à l'âme de retrouver sa fertilité, il permet au corps de retrouver sa vigueur, il permet au corps de retrouver sa vigueur, sa vitalité et sa santé, il permet à l'esprit de retrouver sa lucidité et sa clairvoyance, il permet aux yeux de retrouver leur lumière, il permet aux oreilles et au ventre de retrouver leur pureté. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à avoir toutes ces particularités de Ramadan par sa grâce et sa bonté infinie. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين في كل مكان وبكل ذنب فاستغفره وتوب إليه إنه هو التواب الرحيم. Il n'y a pas d'étonnement à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sorte de l'ordinaire pour prononcer un discours solennel le premier de chaque Ramadan, discours que nous pouvons qualifier aujourd'hui de message à la nation. Chers frères et sœurs l'islam, le Ramadan est une occasion pour les croyants pour retrouver sa dimension spirituelle, sa dimension verticale, transcendantale, qui les lie au royaume céleste et qui les distingue des autres créatures qui errent sur terre, en particulier les animaux. Le Ramadan est le mois de la spiritualité par excellence, et quiconque ne retrouve pas sa spiritualité au mois de Ramadan risquera de la perdre à jamais, car Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde infinie et sa bonté illimitée à l'égard de ses serviteurs, a réuni dans ce mois tous les atouts qui permettent aux serviteurs de retrouver leur spiritualité et leur dévotion. C'est le seul mois dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala enchaîne les malfaiteurs parmi les rebelles djinns pour amoindrir leurs effets négatifs sur les serviteurs soumis. Le Ramadan est le seul mois durant lequel Allah subhanahu wa ta'ala ouvre grandement les portes du paradis et ferme hermétiquement les portes de l'enfer. Ramadan est le mois durant lequel l'invocation du croyant est exaucée du matin au soir. Ah, quelle occasion, quel privilège et quel honneur pour les croyants. Le perdant, le vrai perdant, sera donc celui qui ne saura pas profiter de cette occasion pour se faire pardonner, pour augmenter ses bonnes œuvres, pour diminuer les mauvaises et surtout pour retrouver sa spiritualité, retrouver son état angélique, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme à ce qu'il aime et agrée pendant ce mois et le reste de la vie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos fautes et erreurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos bonnes œuvres et qu'il nous conforme davantage à ce qu'il aime et agrée. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse, bénisse nos vies, bénisse nos familles, bénisse nos œuvres et qu'il bénisse notre cher pays, le Niger. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège davantage et protège notre cher pays, le Niger, ainsi que les pays islamiques, et qu'il déverse sur l'humanité tout entière ses miséricordes et ses bénédictions. هذا وصلوا وسلموا على رسولكم محمد كما أمرتم بذلك اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسولك محمد وعلى آله وارض اللهم عن أصحابه أجمعين وعنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان
اللهم اعز الاسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم اعز الاسلام والمسلمين في كل مكان، واذل الشرك والمشركين في كل مكان. اللهم انصر اخوان المسلمين في كل مكان. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا انك انت الغفور الرحيم. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين بمنك وفضلك يا ذا الفضل العظيم. اللهم ارحم امه محمد رحمه عامه واغفر لهم مغفره عامه واخرجهم من الظلمات الى النور ومن المعاصي الى ومن المعاصي والذنوب الى الطاعه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ادم علينا نعمه الامن والاستقرار. اللهم وفق ولاه امور المسلمين في كل مكان لما تحب وترضى، وهيئ لهم البطانه الصالحه التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه يا ارحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وعلى ربك رسولك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اقيموا الصلاه يرحمكم الله.